Jeûne intermittent, bonne ou mauvaise idée? Si c'est pour perdre du poids, je te le dis tout de suite, ça présente aucun intérêt. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est pas manger pendant 16 heures et manger pendant un laps de temps de 8 heures. En soi, si tu réduis l'apport énergétique calorique de ta journée, tu vas perdre du poids. Mais si tu manges autant sur un laps de temps plus réduit que ce que tu manges d'habitude, tu vas pas perdre de poids. Donc, en soi, que tu manges une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour, 10 fois par jour, ça change pas grand-chose au schmilblick. Oui, mais tes copains te disent qu'ils ont fait le jeûne intermittent et qu'ils ont perdu du poids. S'ils ont réduit leur apport énergétique, forcément, ils ont perdu du poids. J'ai envie de te dire que déjà, la nuit, a priori, tu jeûnes pendant 10, 12 heures. Et c'est déjà pas mal. Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que rajouter 6 heures à ce temps de jeûne présente de bénéfices ni pour la ligne ni pour la santé.